Méditation de la flamme violette. Cette méditation vous est proposée par Valérie Thibault de Lumière de l'âme. Lorsque nous nous laissons quelque peu chahuter par la vie et que notre alignement n'est pas suffisant, il arrive très souvent que nos émotions créent des blocages dans nos énergies. Ainsi, nous nous laissons happer par nos peurs, par quelques agacements, par nos attachements également, ou alors nous laissons involontairement la porte ouverte à d'autres qui puiseront, souvent de manière inconsciente, dans nos énergies. Lorsque ces lourdeurs apparaissent et que nous nous sentons fatigués, la flamme violette de Maître Saint-Germain, qui est un feu sacré, est un outil majeur et d'une puissance merveilleuse, nous permettant de retrouver notre liberté et notre autorité intérieure. Je vous propose donc de me suivre dans une méditation de libération et de nettoyage par la divine flamme violette de Maître Saint-Germain. Installez-vous confortablement et veillez à ne pas être dérangé. Prenez de profondes respirations afin de vous intérioriser. Au fil de vos respirations, sentez votre corps, vos muscles se détendre. Votre regard se tourne à présent vers l'intérieur et plus rien ne peut vous perturber. Je vous invite à ouvrir la porte de votre cœur sacré afin d'entrer dans votre sanctuaire. Emplissez vos yeux de la beauté et de la lumière de ce lieu. Respirez profondément, tout en vous imprégnant des hautes vibrations diffusées par votre cœur sacré. Prenez tout votre temps. Ressentez votre ancrage à terre, mer et au Père céleste. Voyez votre lumineuse beauté et avancez glorieusement. Devant vous se dresse une cathédrale. Une cathédrale de lumière que vous connaissez bien. Et je vous propose d'y pénétrer.
un cœur angélique, emplit tout l'espace de ce lieu d'amour pur. Le sol et les murs sont recouverts de magnifiques pierres d'améthyste et des myriades d'étincelles de lumière violette se réfléchissent dans toute la cathédrale. Il y a là également des cascades et des fontaines de lumière violette. Vous commencez à ressentir les bienfaits rafraîchissants de cette lumière incroyable qui vous enveloppe et vous élève. Très lentement, vous dirigez vers le centre de la cathédrale et vous apercevez un siège de cristal. Avancez-vous et prenez place sur ce siège qui est le vôtre. Je vous invite maintenant à contacter Maître Saint-Germain et la divine flamme violette par cette invocation. Répétez à voix haute ou basse ce décret. Par ma divine présence, je suis. Par ma divine présence, je suis. J'invoque humblement la flamme violette et Maître Saint-Germain, gardien du rayon violet. J'invoque humblement la flamme violette et Maître Saint-Germain, gardien du rayon violet. Et je demande que la flamme violette, ici et maintenant, et je demande que la flamme violette, ici et maintenant, déverse sur moi et en moi son intense rayonnement. Déverse sur moi et en moi son intense rayonnement. Afin que toutes les énergies négatives se trouvant dans mon corps holistique soient transmutées en pur amour. Qu'il en soit ainsi. Merci. Qu'il en soit ainsi. Merci. À l'appel du rayon violet et de Maître Saint-Germain, votre présence divine « Je suis » projette sur vous le feu violet de transmutation. Ressentez cette douche de lumière violette qui vient embraser tout votre corps et se répandre dans vos canaux énergétiques, dans tous vos organes et toutes vos cellules. Inspirez pleinement ce feu violet de purification. Par son action, la divine flamme violette va libérer la cause, l'essence, l'enregistrement et le souvenir de toute énergie discordante que vous avez pu créer dans le passé, le présent ou le futur, dans cette réalité ou dans toute autre.
vous voilà entièrement enveloppé et baigné du feu violet de purification. La divine flamme violette se propage dans tous vos corps, dans tous vos chakras, et va continuer de nettoyer et de purifier toutes les énergies négatives jusqu'à ce que tous vos corps aient retrouvé leur parfaite pureté originelle. Maintenez cette image de vous baignant dans le feu violet et répétez autant de fois que vous le désirez. Je suis la flamme du feu violet. Je suis la pureté que Dieu désire. Je suis la flamme du feu violet. Je suis la pureté que Dieu désire. Je vous laisse quelques instants. Continuez de répéter ce mantra. Je suis la flamme du feu violet. Je suis la pureté que Dieu désire. Maintenant que tous vos schémas, vos mémoires ou enregistrements négatifs ont été libérés, ressentez la légèreté de votre énergie qui circule parfaitement. Imprégnez-vous de la joie d'être libre. Alors, tout en gardant votre conscience dans votre cœur, remerciez le Maître Saint-Germain. La flamme violette est votre divine présence « Je suis » pour leur action. Il est temps à présent de revenir dans votre corps de matière. Vous posez votre attention à l'extérieur de vous et à votre rythme. Remettez de la conscience dans tous vos membres jusqu'à ce que vous soyez prêt ou prête à ouvrir vos yeux emplis de gratitude. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous encourage vivement à renouer votre contact le plus souvent possible avec votre présence I Am et avec la flamme violette.
cette méditation vous a été proposée par Valérie Thibault de Lumière de l'âme. Si vous avez aimé cette méditation, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner à ma chaîne YouTube. D'autres méditations vous seront encore proposées. À très bientôt.